Et si les services à bord se multipliaient sur les lignes express d'autocar? Outre la fiabilité et la rapidité, le succès des transports collectifs réside dans le confort et la sécurité offerts aux usagers. Certains opérateurs, comme ici en Occitanie, entre Saint-Sulpice et Albi, en ont fait une priorité. On voyage évidemment assis, attaché avec une ceinture de sécurité, à bord d'un véhicule qui peut atteindre 100 km/h sur des portions d'autoroute. On trouve du Wi-Fi à bord pour se connecter facilement et il y a même des revues à côté du conducteur. Chacun se repose ou commence sa journée de travail, si bien que le temps de trajet domicile-travail devient du temps utile. Alors peut-on un peu partout en France bien équiper les lignes express d'autocar pour faciliter la vie des usagers et renforcer l'attrait des transports en commun ?